2012, derrière nous, et l'année 2013, décisive devant nous. Pour moi, 2012, c'est finalement toute l'année de ce rendez-vous-là. Et vous tenir à saluer ce soir le courage et la détermination avec lesquels une démission du réduit pour descendre au terrain, pour sauver et redresser le pays. Le remake 2000, comme ça l'année route fait dire, il termine l'année en position de force, de grande force. Puis il y a une élection municipale correction en attendant tsunami aux prochaines élections générales. Nous faisons stop, nous faisons bloc, dominaire. Au niveau de la municipalité, quand le gouvernement menace la municipalité qui vote l'opposition, à l'occasion de l'affaire Nandani, et plus récemment, sa pseudo-accusation de sédition contre l'honorable Hamid Diagna. Pour joindre Sanyo Diagna, pour dire au commissaire de police, et 9 et 9, pour demander au commissaire de police qu'il y ressaisit. Si nous terminons l'année 2012 en force, le remake 2000, par contre, l'Alliance Parti Travailliste PMSD, il très mal termine l'année. L'année 2012 fut aussi l'année de bon scandale, mais en même temps, l'année de bon cover-ups. Pour chaque scandale qui finit là, il y a une tentative de cover-up. Le plus choquant étant sa cas de pédophilie à Mauritius Institute of Training and Development. 2012 derrière nous, 2013, point de l'année décisive. Élection générale souhaitable en 2013. Et d'après mon expérience et mon opinion, élection générale plus que probable en 2013. Je dis ça parce que l'autorité de Navin Ragoula est complètement ébranlée. Et avec l'affaire Nandini, l'inverse dans le ridicule. Or, en politique, pénalement, rien de plus mortel que le ridicule. C'est pourquoi, non seulement, il souhaite qu'il y ait élection générale en 2013, mais selon moi, les plus qui est probable, qui pourrait n'a élection générale en 2013. Et là, laisse-moi préciser à nouveau, même s'il n'est pas nécessaire, laisse-moi préciser à nouveau, à l'occasion de l'année 2013 qui peut ouvrir là, entre MMM et Parti Travail, c'est fini et fini pour de bon. C'est qui le Parti Travail, c'est de devenir l'infect avec ce AFAP, ce JITAC, ce DELEL, ce Lady Briani. Vous permettez-moi d'adresser aussi à mon bonne soeur frère syndicaliste pour souhaiter qu'il allait 2013 dans une situation économique difficile, qu'il allait 2013, qu'il ait l'année de l'unité syndicale retrouvée. Côté MMM, le MMM déjà le plus grand parti du pays, et pour dire ça avec du respect à nos bonnes invités. En 2013, moi, pour faire certaines propositions, pour rendre le MMM encore plus fort et pour en finir pour des bons avec Navin Ragoula. Lundi dernier, fut même l'article dans le Défi quotidien. Président Valo, ça suffit là, et il y en a certains noms, cités. Bon, il y a beaucoup de spéculation dans cet article-là. Depuis ce soir, on vous dire seulement, du monde qui se nomme cité dans cet article-là, pas profiter. Du monde qui se nomme pas fait cité dans cet article-là, pas trop de vacances. L'année 2013.
Laisse-moi terminer par un des mots sur le plan international et régional. Malheureusement pour nos bons enfants, nos petits enfants, l'année 2013 finit dans un flop inacceptable à Doha au Qatar concernant le global warming, le réchauffement de la planète, le détraquement de nos systèmes, de nos environnements internationaux. Et mon business, il y a le comportement de Obama, de Barack Obama depuis qu'il est réélu, extrêmement décevant. En 2013, il prend l'année décisive pour Israël et la Palestine. Avec une élection dans quelques jours, le 22 janvier en Israël, capable un gouvernement encore plus de droite et d'extrême droite qui est élu. Et si ça arrive, dramatique. Et 2013, il peut aussi être l'année décisive en ce qui concerne l'Iran et une menace de guerre autour de l'Iran. L'Iran, quand il y a élection générale en juin de cette année. À Madagascar, on priait tous les bon dieux de la planète que Madagascar sorte de cette situation de crise en 2013. Et soutient le gouvernement, certainement les Maurice qui vous prend une initiative avec la SADC, avec la France, avec les États-Unis pour amener sa situation bloquée à Madagascar devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et débloque la situation. 2013 pour aussi le sommet du Commonwealth qui supposé en a lieu au Sri Lanka. Et Narendra Modi non l'île Maurice fin obtenir qui dans deux ans après, en 2015, le sommet faire ici à Maurice. Mais pour qu'il le sommet faire ici à Maurice, il est nécessaire qu'Irangula, en tant que Premier ministre, ramène au Sri Lanka en 2013. Or, la situation au Sri Lanka demeure inacceptable. La population tamoul du Sri Lanka continue victimisée. Et là, le gouvernement du Sri Lanka est en dispositif. Les services aux majorités au Parlement pour révoquer le chef juge, madame chef juge du Sri Lanka, c'est qui est condamné par le monde entier. C'est d'ailleurs pourquoi un pays comme le Canada, les menaces nous parlent au Sri Lanka l'année prochaine, 2013. Donc, on va quitter dans le cas de Narendra Rambula, mais de l'île Maurice, qui pourra, qui pas pourra. Enfin, au seuil de cette année 2013-là, laisse-nous renouveler l'engagement de reprendre l'initiative en ce qui concerne nos souverainetés, leur chalousse. À cause de Narendra Rambula, non seulement nous perdons beaucoup de temps, mais nous perdons la face vis-à-vis anglais et américains. Non seulement nous prenons l'engagement de reprendre l'initiative intelligente, efficace, dans la question de souveraineté de Maurice Lodé-Chagos, mais nous donnons la garantie aussi à nos sœurs et nos frères de la communauté chagossienne qu'ils n'avaient pas oublié le droit de retour au Chagos. Jamais nous n'avons pas oublié. Laisse-moi terminer. C'est là, mon gars, bien intitulé. Laisse-moi terminer. Moi, laisse-moi mes meilleurs souhaits à tous ici présents et à notre famille, à tous les militants merci, et militants, à la population en général, sans oublier Rodrigue, Agarega, Saint-Brandon, la communauté chagossienne et la petite diaspora mauricienne à travers le monde. Meilleure santé, meilleurs vœux, Sœur Niroud, Lélissa Rodney, Pravin, c'est un dirigeant Kobita, un dirigeant du MMM, un dirigeant du RSM, tous les membres de nos comités centrales, meilleurs vœux pour nous autres mêmes, nos autres familles et pour nos pays, Bill Moïse. Cheers.